Bonjour à tous. Je vous salue par la grâce de notre Seigneur Yahushua. Je souhaiterais partager une vision que le Seigneur m'a donnée il y a quelques mois de cela. Tout ça, en fait, parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça fait comme un puzzle au niveau de mon esprit, en fait, des choses que le Seigneur m'avait montrées que je n'avais pas saisies sur le moment. Tout ça, c'est par rapport au réveil actuel qui va prendre dans les nations au nom de Yahushua. Dans la vision, je me suis vu dans un grand immeuble où il y avait plusieurs personnes. Et dans cet immeuble, c'est comme si on était en retraite. Il y avait la lumière était éteinte et c'était le moment où on se reposait. Je suis entré dans une pièce, il y avait ma femme qui m'accompagnait. Et dans la pièce que je suis rentré, j'ai allumé la lumière. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai reçu dans mon esprit, il y a l'apôtre qui dort. Donc, de pas trop déranger, essayer de trouver une autre pièce. Donc, du coup, j'ai éteint tout de suite la lumière. Et je suis ressorti de la pièce en faisant des pas plus doux, on va dire, si je peux me permettre le terme, pour ne pas trop faire de bruit dans la salle. Et tout en marchant doucement, j'ai senti quelqu'un qui me suivait. Et d'un coup, je me suis retourné et j'ai vu que c'était l'apôtre. Et j'ai su sauter. Et j'ai commencé entre guillemets, à bégayer, disant désolé, je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste trouver un endroit pour me poser avec ma femme. Je cherche un autre endroit. Et d'un coup, l'apôtre, il m'a regardé, il m'a souri. Et je l'ai vu sortir de nulle part, un gros rouleau. Et le rouleau était même plus gros que lui. Et je me demandais même comment il a eu la force pour tenir son rouleau. Donc du coup, en tenant le rouleau, il a commencé à tourner le rouleau, tourner le rouleau. Et plus il tournait, plus ça prenait de la vitesse. Et plus le rouleau s'accélérait, j'ai vu la lumière commencer à, des écritures commencer à s'illuminer sous le rouleau. Et plus ça tournait encore, et les écritures sortaient du rouleau. Et c'était des écritures hébraïques, et ça sortait comme du feu dans toute la salle, dans tout l'immeuble. Et d'un coup comme ça, tout le monde n'était plus endormi. L'immeuble complet s'est embrasé et tout le monde parlait en langue, des langues que j'ai jamais entendues. C'était, je dis ça, j'ai des frissons. Il y a des langues que j'ai jamais entendues, que c'était waouh, c'était magnifique. Et après, le son s'est arrêté et c'est là que j'ai reçu dans mon esprit que le Seigneur me disait que le réveil arrive dans les nations. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc tout ça pour certifier au nom de Yahushua que vraiment ce réveil qui arrive maintenant dans les nations. On voit beaucoup de missionnaires ici et là. Dans la veille, on a bien entendu, tout le monde était là, que le Cameroun est embrasé, l'Afrique va être embrasée au nom de Yahushua. Donc, ce n'est qu'un début. Saisissons ça, saisissons la pensée du Seigneur pour que nous ne passions pas à côté. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur soit béni. Toute la gloire revient à Yahushua, notre maître. Amen. Amen.